C'est reparti, on recommence le direct. Je ne sais même pas pourquoi on attaque ce direct alors que c'est un direct inoffensif. Vous commencez déjà à attaquer ça. Je n'ai même pas encore ouvert la bouche que c'est déjà attaqué. C'est un direct inoffensif, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un direct de règlement de compte. Ce n'est pas un direct de règlement de compte, pardon. Laissez-moi faire mon direct tranquillement. Rwanda, retour au pays natal. Rwanda, on attaque quoi sur ça? Ce n'est pas un direct de règlement de compte. Hein. C'est un direct de mobilisation. Donc, vraiment, easy. Venez doucement. On repartage. Oh. On repartage. J'ai même changé de téléphone parce que là, il faut que maximum 1h30 que j'ai terminé. Et là, comme j'ai changé de téléphone, je ne peux pas faire... Je ne peux pas lancer l'appel. Les gens ne peuvent pas intervenir en direct parce que c'est le téléphone qui a... Avec lequel je fais le direct, sur lequel on peut appeler. Voilà. Ouais, Victor, on repartage, ma chérie, on repartage seulement. On repartage, obligé de repartager. Il faut qu'on mobilise massivement. Ouais, Jean-Jacques Dédé, il est parti. Qu'il revienne, hein? Parce que moi, j'attends les gars à Paris le 3 juillet. Ah ouais. Voilà. Jean-Jacques, partage. Même si on n'est pas du même côté le tout, si partage le direct là. Partage. Comme tu me guettes seulement à côté, tu me guettes seulement un Jean-Jean là. Partage le direct Jean-Jacques. Parce que c'est que tu me guettes seulement le tout. Tu me guettes seulement. Tu sais pas que... Bonsoir Serge. Tu sais pas que... Jean-Jacques, il faut que tu saches que moi je suis aussi une sans confiance. Hein. C'est-à-dire... Moi, je vais, en fait, pas que je vais du côté où c'est bon. En fait, je vais un peu du côté de la logique. Et je fais aussi, je suis parfois obligée de mettre mon ego de côté lorsque je trouve que la situation demande de faire amende honorable. Donc, tu fais ton concours, hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut être ensemble tous les jours, mais... Et après, ça arrive aussi qu'on ne soit pas ensemble parce que pour X ou Y raison, je ne partage pas le même avis que vous. Ça arrive et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent avec moi, en fait. C'est quelque chose qui est très fréquent avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, Serge. Bonsoir, Serge. Partagez. Oh, tu n'as rien raté, Serge. Le direct vient à peine de commencer parce que le premier direct que j'ai lancé, ça a été attaqué et j'étais obligé de recommencer. Donc, on n'avait même pas encore commencé. On était encore au niveau des partages. Donc, partagez partout. Bonjour, Régine Gonon. Alors, je disais que là, nous sommes en pleine mobilisation pour le 3 juillet. Et je disais ceci, à chaque fois, quand il y a un truc qui est annoncé, il y a un truc qui est prévu sur la toile, on se retrouve à être séparés pour X ou Y raison. Et cette fois-ci, je suis, je suis énervée parce que je me rends compte que on est séparés pour rien. En fait, pour rien, pourquoi? Parce que les gens, certaines personnes pensent que ce sont les gens de l'alternance et Camto qui organisent la manifestation. Et c'est-à-dire l'alternance et Camto, parce qu'ils sont dans le MSC. Hein, donc, ils sont dans le MSC. Donc, les gens pensent que c'est peut-être Camto qui organise la manifestation. Et parce que du fait que peut-être Camto en parle beaucoup, du fait qu'il est, il prend un peu les devants sur certaines choses, ça pousse certaines personnes à penser que c'est lui, que c'est en fait qu'il est au cœur de l'organisation de la manifestation. Et je ne vois pas, moi personnellement, je ne vois pas en quoi cela est méchant ou mauvais, tant que c'est pour mobiliser. Mais j'ai l'impression que ça dérange beaucoup de personnes, le fait que certaines personnes prennent les devants. Je vais dire ceci, tout le temps sur Facebook, on dit... Nous disons tout ça, et même encore aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un le dire. Et même hier, j'ai entendu des gens le dire. J'entends toujours, on dit... C'est encore où là? Oui. Les gens disent,
Le peuple doit être uni et solidaire pour chasser le tyran. Ça, c'est un mot que j'entends partout. Moi-même, la première, je le dis, hein, qu'on doit être uni et solidaire pour chasser le client. Bonjour, mon futur révolu Camer, bonjour. Moi-même, je le dis tout le temps, qu'il faut être uni et solidaire pour chasser le client, pour chasser le tyran. Alors, être uni et solidaire, ce n'est pas sur Facebook. Hein. Ce n'est pas pour partager les directs, ce n'est pas pour mettre les cœurs, ce n'est pas pour mettre les likes, ce n'est pas pour mettre les commentaires, soit pompeux, soit les commentaires qui encensent, soit les commentaires qui font plaisir. Non, non, ce n'est pas forcé, ce n'est pas ça. Être uni et solidaire, ça veut dire que quand il y a un truc important concernant le Cameroun, chacun met son ego de côté et il s'engage d'abord dans ça et après il revient dans son petit coin. J'explique. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait un post où je vous disais, quand j'ai entendu le communiqué qui annonçait d'abord le premier communiqué annonçait l'arrivée du président élu. Le premier communiqué annonçait l'arrivée du président élu. Et ensuite, le deuxième communiqué, après, on a encore vu le communiqué qui disait que finalement le président élu ne vient pas, mais néanmoins qu'il y a une méga manifestation qui va être organisée le 3 juillet. Et certaines personnes ont commencé à dire, oui, le président élu ne vient plus, donc franchement, ça ne sert plus à rien d'organiser la manifestation puisque le président élu ne sera plus là. J'ai dit, mais non, que le président élu soit là ou pas, ça n'empêche pas qu'on se retrouve tous ensemble pour nous indigner. Quand on était confinés, j'entendais les gens dire quand le confinement va être levé. Moi, je dis toujours, les gens le disent. Hein. Je dis même parfois, mais je ne suis même pas en direct. On m'envoie le direct en inbox pour dire que la VDK suit comment on est en train de faire des promesses derrière les téléphones. Et ça, c'est votre travail. Vous êtes toujours en train de dire, oh, on va faire ceci, oh, on va faire cela. Et quand vous mettez face à vos responsabilités, vous ne le faites pas. Donc, j'entendais les gens dire encore que quand le confinement va être levé, on va tous se retrouver sur le terrain, patati et patata. Dieu merci, le confinement est levé. On annonce une manifestation. Je suis d'accord, hein, je suis la première à être d'accord que certaines personnes se comportent comme si la manifestation les appartenait. Mais je dis toujours, moi, en fait, en ce moment précis où je pense qu'on doit tous se retrouver, ça ne me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème parce qu'on doit mobiliser. Et pourquoi moi, j'ai pris sur moi de dire, j'ai fait un post où je vous disais, je mets mon ego de côté et je mobilise pour le 3 juillet. Pourquoi j'ai pris cette décision? Tout simplement parce que je sais que j'ai beaucoup de détracteurs sur Facebook. Je suis ennemi avec beaucoup de personnes. J'ai des contrats, pas ennemis, j'ai des divergences d'opinion avec beaucoup de personnes et beaucoup de combattants, bien évidemment, beaucoup de combattants de terrain que j'ai l'habitude de croiser sur le terrain. Parce que ça, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a beau être 10 000, 20 000 sur Facebook, si on se retrouve 2, 3 sur le terrain, il y a un problème. Et pendant le confinement, vous avez vu, on a eu trop de trucs. Il y a eu les prêts qui étaient soi-disant de la BPI Bank. On est quand même sorti manifester, aller devant la BPI malgré qu'on n'avait pas le droit de se déplacer. Patati patata, nous y sommes allés. Et j'entendais les gens dire, non, franchement, il faut qu'on lève le confinement pour qu'on se retrouve. Là, on a la chance que le confinement est levé et qu'on peut se retrouver. Moi, j'ai pris la décision de mobiliser pour le 3 juillet et même d'y participer, que le président élu soit là ou pas. Parce que je me dis que c'est une occasion que la diaspora, que nous sommes, qu'on se retrouve encore ensemble et que d'une seule et unique fois, nous continuons à faire comprendre à ce moribond président qui est là que nous l'avons vomi. Il sait déjà que nous l'avons vomi parce que, souvenez-vous, c'est nous qui étions les premiers à organiser les manifestations ici pour comment dirais-je, comment je peux dire, voilà, des manifestations pour manifester notre indignation par rapport à toute la barbarie. Qui se passe au pays par rapport au massacre, par rapport à la guerre dans le Nozo, par rapport à tout. Nous sommes sortis nombreux. Et ça m'a montré que la diaspora avait vomi son président. Et quand on a fait toutes ces mobilisations, c'est parce qu'on était nombreux que vous avez vu parallèlement les Sardinats aussi étaient obligés de sortir, aller aussi faire leur part des petites manifestations pour dire qu'eux, ils soutiennent le président. Ils étaient combien?
il n'atteignait pas une cinquantaine. Par rapport à nous qui étions des centaines et des centaines, nous étions plus nombreux. Parce que nous qui sommes contre ce régime en diaspora, nous sommes plus nombreux. Et c'est d'où? Parce qu'on s'était retrouvés nombreux dehors. Et que là-bas, étant là-bas au pays, ils ont vu comment une diaspora peut se mobiliser pour dire non à ceci, pour critiquer leur président, pour dire tout ce qu'il n'a pas dans ce régime. Ils ont dit non, on ne peut pas laisser la diaspora parce qu'ils disent que nous, on salit l'image de Bim Von Or. Ils ont dit qu'il ne peut pas laisser la diaspora salir l'image de Bim Von Or. Eux aussi, parallèlement, les Sardinats, ils ont commencé à dire qu'ils organisent les manifestations 2-3. C'est d'où on a commencé à leur donner même de l'argent par rapport à ça. Donc, c'est pour vous dire que si on n'était pas nombreux à nous mobiliser pour montrer notre mécontentement à Bim Von Or, les Sardinats ne se seraient jamais retrouvés à se mobiliser 2-3, les Maripoules, tout ça là, à se retrouver 2 ou 3 pour aller devant l'ambassade dire qu'ils soutiennent Bim Von Or, pour aller à l'Arc de Triomphe dire qu'ils soutiennent Bim Von Or. Ils ne l'auraient jamais fait. C'est parce qu'ils ont vu une diaspora déterminée, une diaspora engagée, une diaspora, malgré les divergences, qui étaient réunies pour une cause importante. C'était une cause importante. Là, regardez tout ce qui s'est passé quand on était en confinement. Plein de choses sont passées. Plein de choses. Et là, on est en plein COVID guette où on a donné de l'argent pour le COVID au Cameroun. Les ministres ont tout dilapidé. Ils ont tout volé. Donc moi, je me dis personnellement que ce soit un meeting organisé par le MRC ou organisé par n'importe quel Camerounais, tant que c'est un meeting pour manifester notre indignation à l'endroit du régime en place, je dois répondre présente. Je dois répondre présente. Oui, je dois répondre présente. Parce qu'on est resté longtemps en confinement. Le terrain était libre. Il n'y avait personne sur le terrain parce qu'on n'avait pas la possibilité d'être sur le terrain. Aujourd'hui, que le terrain est libéré, vous commencez à dire que non, je ne viens pas si c'est X qui organise. Je ne viens pas si c'est Y qui organise. J'ai même vu des gens étant loin aux États-Unis dire que c'est quoi le thème? C'est quoi le thème de la manifestation? Donc, il veut savoir qui organise. Il veut savoir c'est quoi le thème. Avant de décider si tu vas venir ou pas, est-ce que vous venez à la manifestation pour l'organisateur? Quand le président élu est venu ici le 1er février, donc vous pensez que tous les Camerounais qui étaient là à la place de la République étaient du MRC? Je demande si tous les Camerounais qui étaient à la place de la République le 1er février dernier étaient du MRC. Non! Non! Tous les Camerounais qui étaient à la place de la République n'étaient pas du MRC, mais c'est des Camerounais qui avaient envie de prouver, écoutez-moi bien, de prouver à Biya, au jour d'aujourd'hui et à tous les proposants camerounais, que le seul et unique leader de l'opposition camerounaise, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que ces Camerounais se sont tous retrouvés à la place de la République en février dernier. Oui, c'était pour prouver, pour montrer à Biya que nous n'avons à l'heure actuelle qu'un seul leader. Je dis bien un seul leader de l'opposition au Cameroun, c'est bien ce monsieur. Mais tous ces Camerounais n'ont pas leur nom inscrit au MRC. Moi qui y étais, moi qui bousculais, moi qui a failli bagarrer pour être au plus près de lui. Je ne fais pas partie du MRC. Mais je le reconnais comme le leader principal. Le seul et unique leader de l'opposition aujourd'hui au Cameroun. C'est pour cela que nous nous sommes levés. C'est pour cela que nous sommes allés à la place de la République. Maintenant, ceux qui sont du MRC avaient. C'était aussi normal qu'ils aillent soutenir le président de leur parti. Ça, c'était normal. Mais nous qui ne sommes pas du MRC, nous sommes partis pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, on vous dit que le confinement est levé. Retrouvons-nous encore. Parce que le terrain, les esprits se sont échauffés lors du confinement. Chacun disait, non, on attend ceci, on attend cela. Le terrain est vide. Du moment où 500, 400, 5000 Camerounais peuvent se retrouver à un endroit, au même endroit, au même moment, avec des pancartes, pour prouver encore à Biya que ici, en diaspora, nous l'avons vomi, je répondrai toujours et toujours présente. Que ce soit n'importe qui, que ce soit le MRC qui organise, que ce soit les activistes qui organisent, je serai là. Je ne cherche pas à savoir si c'est quelqu'un qui porte un tricot bleu qui organise, si c'est quelqu'un qui porte un tricot jaune qui organise, si c'est une Amazon qui organise. Du moment où je trouve que c'est pour un
but bien fondé, j'y vais. Alors, j'ai entendu encore des gens dire, oui, vous y allez pour montrer vos beaux vêtements, vous y allez pour prendre les selfies, vous y allez pour après aller manger dans les restaurants, vous y allez pour aller vous embrasser. En quoi est-ce que cela vous dérange? En quoi est-ce que cela vous dérange? Moi, je suis contente. Quand je vais à une manifestation, je trouve plein de Camerounais que je ne connais pas. Surtout ce que je ne connais pas, parce qu'il y a déjà une certaine quantité que je connais. Mais moi, j'aime bien voir ce que je ne connais pas. J'aime bien quand les mamans m'interpellent, disent que eh, la villageoise dit quoi eh, c'est toi ici. J'adore cela. J'aime bien. Pas parce que ça me, pas parce que c'est, je me vends, non, mais parce qu'au moins, je me dis que, ah, donc cette personne-ci me suit. Donc cette personne-ci est avec moi, partage mon combat. Donc cette personne et moi, nous partageons le même combat. Même si la personne est derrière son écran, du moment où l'occasion se présente, cette personne nous rejoint. Nous rejoint dans la rue, me rejoint sur le terrain. Je suis tout émue, je suis toute contente. On ne peut pas, on doit apprendre à un moment donné, prendre son ego, le mettre au placard et passer à l'essentiel. On doit apprendre cela. Je ne saurais être une donneuse de leçons parce que je suis très mal placée pour donner des leçons à n'importe qui. Je suis très mal placée pour cela. Chacun de nous a ses sensibilités. Chacun de nous a, encaisse dans ce combat. Chacun de nous est fouetté correctement et bien sur la toile. Je le dis, nous sommes tous fouettés correctement et bien sur la toile. Moi y compris. On me fouette. Parfois moi aussi je fouette. Mais on ne peut pas louper une occasion où on doit se retrouver. J'entends des gens dire, le combat c'est au 237. Oui, tout se passe au 237. Ça ne sert à rien. Eh, hey, ma cote, il faut qu'on prenne notre selfie, non, la mère. Eh, hey, ça me ferait vraiment plaisir. Non, mais j'entends les gens dire le combat c'est au 237. J'ai envie de dire que oui, on ne peut pas refuser que le combat n'est pas au 237. Le combat, effectivement, c'est au 237. Mais nous qui ne sommes pas au 237, on fait comment? Si des gens me disent que se retrouver en diaspora, que si les Camerounais, 1000 Camerounais se retrouvent à la diaspora, ça ne sert à rien. J'ai aussi envie de vous dire que le fait de mettre devant vous pour faire un direct, ça ne sert à rien. Parce qu'une manifestation, c'est un mode de communication. Quand on se retrouve pour manifester, on est en train de communiquer. C'est aussi un mode de communication, une manifestation. Donc, si une manifestation ne sert à rien, je peux aussi vous dire à ces gens, à tous mes amis là, que un direct également ne sert à rien. Oui, le direct également ne sert à rien. Si aller manifester ne sert à rien, à quoi servent aussi les directs? Puisque c'est toujours une façon de communiquer, c'est une façon de s'adresser aux multiples Camerounais. On ne peut pas. Parce que soit on n'apprécie pas l'initiative, soit parce que on n'apprécie pas les gens qui se précipitent pour se mettre devant sur quelque chose. Et du coup, par rapport à ça, on commence à dire non, ça ne sert à rien, le combat c'est au 237. Le combat c'est au 237, personne n'a jamais refusé cela. Mais donc, nous qui sommes exilés, on ne doit plus manifester, on ne doit plus s'indigner, on n'a plus le droit de se retrouver quelque part pour crier notre ras-le-bol. Donc, on doit se mettre derrière nos téléphones pour nous exprimer. Non, j'ai envie de vous dire que non. On a aussi envie de se retrouver avec ceux et celles qui ne font pas des directs, avec ceux et celles, vous là, qui mettez les cœurs, qui mettez les là, qui partagez les directs des différents combattants. On a aussi envie de se retrouver à un moment donné sur le terrain ensemble et tous d'une même fois pour dire « Bia, dégage !» Pour dire que tous ces voleurs de Covid Gate, que tous ces Madeleine Twente, Malachier, Grégoire, et tous ces Grégoire machin, qu'ils doivent tous dégager, qu'on doit tous les mettre en prison. Parce qu'ils ont pris l'argent qui était destiné à soigner, à protéger le peuple camerounais. Ce n'était pas leur argent, c'était l'argent du FMI. Mais ils ont quand même pris cet argent, ils l'ont dépensé à leur propre fin. Ils ont dépensé cet argent à leur propre fin. Aujourd'hui, on a une occasion donc de nous retrouver tous ensemble avec sa pancarte. C'est-à-dire que chacun chez lui, en venant, a pris son petit carton. Il a écrit dessus « Madeleine Twente, voleuse ». Il prend son petit carton, il écrit dessus Cabra Libil, voleur. C'est ça qu'il est question. Vous croyez qu'on va se retrouver pour aller faire quoi d'autre? Ce n'est pas pour nous indigner. Ce n'est pas pour dénoncer. C'est de ça qu'il est question. Si maintenant on finit de nous retrouver tous
tous ensemble pour nous indigner tous ensemble et qu'après on se sépare bien, qu'après on prend un verre. Est-ce que ça, ce sont des détails qui ne concernent personne, qui ne regardent personne? Ça, c'est l'eau après la manifestation. On ne peut pas être que le fait en direct pour dire qu'on mobilise, pour dire que les Camerounais doivent sortir. Et parallèlement, on dit que non, ça ne sert à rien que les Camerounais qui sont à l'étranger sortent. Je ne comprends pas. Donc, nous, on doit rester chez nous seulement, dans nos maisons, faire les directs comme ça sur place et ne plus rien faire. Parce que si vous nous dites que les manifestations ne servent à rien, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de nous retrouver sur le terrain. Pour X ou Y raison, on ne peut plus se retrouver. Pourquoi on sortait avant? Pourquoi on sortait avant? Le 18 mai, quand on s'est retrouvé à Paris, plus de 10 000 Camerounais. Une initiative qui était portée par un qui était pensée par un jeune Camerounais qui est Marc Seigneur Ivoire. Quand on s'est tous retrouvés, est-ce que quand les gens venaient, à l'époque, quand Patrice Nkana avait encore tout son cerveau, quand il partait des États-Unis pour Paris, c'était pourquoi? C'est parce que cette communication, quand on voit des Camerounais, c'est-à-dire que quand on voit des Camerounais tous réunis au même endroit, en train de pleurer, de revendiquer la même chose, ça a son impact. Ça a son impact. Les gens partaient des États-Unis, les gens partaient de l'Allemagne, les gens partaient de Londres, les gens partaient de partout pour venir à Paris le 18 mai. Le 1er février, c'était pareil. Pourquoi à l'époque, vous n'avez pas dit que non, ça ne sert à rien de manifester? Vous manifestez pourquoi? On ne vous écoute pas, ça ne sert à rien. Le combat, c'est le 237. Est-ce que le 237 s'est déplacé? Ça ne s'est pas déplacé. C'est toujours là. C'est pas parce que ceux qui sont là-bas, ceux qui sont sortis sont en prison, ceux qui ont osé sont en prison, que ça va s'arrêter. Je suis à cœur de vous dire que ces gens... Bonsoir Balanzita. Bonsoir Tete. Ces gens qui sont au pays, qui sont à la tête de ce gouvernement, et ce peuple, que nous tous nous jugeons que ce peuple est moribond, ce peuple est zombifié, ce peuple est un peuple qui encaisse. C'est comme ça. Vous savez, merci Caroline, vous savez, parfois vous voyez, vous entendez, oh, la femme a tué son mari. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous voyez comme ça, un matin, la femme l'a dit, on veut que quelqu'un a tué son mari, bien que quelqu'un a tué. Vous dites, mais comment cette femme peut tuer son mari? Vraiment, parce que cette femme est restée longtemps avec cette personne qui a passé son temps à taper sur elle. Taper. Et puis, à un moment donné, quand elle en a eu marre, elle a dit, bon, elle a peut-être calculé, elle a tué. Elle a dit, je me débarrasse du problème. Ça, c'est la situation du peuple camerounais. Le gouvernement en place est en train de taper. Il tape sur son peuple, il tape, il tambourine, il gifle à gauche, il botte avec le pied. Ils sont là, ils ne font que encaisser. Mais un jour, ils en auront marre d'encaisser. Vous savez, j'ai vu un poste d'un monsieur là qui doit être très proche du gouvernement ou bien qui doit avoir des acquaintances avec quelques membres du gouvernement. Apparemment, on a mis sa mère en garde à vue et il ne cesse de crier partout sur la toile. Comment on a mis sa mère en garde à vue? Vous avez remarqué tous ces derniers temps, les gens ne cessent de s'indigner. Sadine a compris. Les gens portent les robes du RDPC avant de se plaindre que oh, on n'a pas respecté les quotas de 5% ou 50% dans le sud et 2% à l'ouest et 1% au nord-ouest. Ils s'habillent pour dire qu'on n'a pas respecté cela. Vous voyez une maman qui a fait de puiser de l'eau dans le robinet et l'eau est tout rouge. Ça sort du robinet. Mais cette population ne fait que encaisser. Ils encaissent. Vous voyez le vendeur qui est en bordure de route, il est en train de vendre ses tomates, on vient. La communauté vient ramasser sa marchandise. Il veut revendiquer, on le tabasse, on met dessus. Il encaisse. C'est comme ça. Mais un jour, peut-être le jour où on s'attendra le moins, c'est le jour où vous allez voir ces gens sortir. Mais est-ce une raison que comme ils ne sont pas encore sortis, ou bien pas qu'ils ne sont pas encore sortis, parce que ceux qui sont sortis, on a tellement brimé. Le gouvernement a tellement montré une force de répression qui fait en sorte que ça refroidit d'autres aujourd'hui de sortir. Est-ce donc une raison pour que nous qui sommes en diaspora, on ne se mobilise pas? Est-ce une raison pour qu'on arrête toutes les mobilisations? Si vous dites qu'on n'a plus le droit de se retrouver sur le terrain pour nous indigner ensemble, nous qui sommes à l'étranger, j'ai aussi envie de vous dire que arrêtons les Facebook,
Désactivons nos comptes. Rentrons à ce qu'on faisait avant. Moi, avant, j'étais sur Facebook, je me filmais, je mettais mes photos, j'avais les 1000 likes, les 1300 likes. Oh, à l'époque, j'utilisais mon nom qui est Noumi Nadine. Oh, vraiment, Nadine, tu es trop belle. Oh, Nadine, tu es ceci. C'est ce que je faisais avant. C'est ce que je faisais avant. Je n'étais pas dans le combat. Ce n'est pas le combat qui m'amène sur Facebook. Donc, si aujourd'hui, vous trouvez que vous asseoir pour dire aux gens, ou bien faire des posts pour dire que ça ne sert à rien de que les Camerounais qui sont à l'étranger se mobilisent. Vous vous mobilisez pourquoi? Allez faire sur le 237. Le 237 est libre. Le terrain est vide. Ah! Combien parmi vous là? Bonjour Kalisol. Combien parmi vous là partent au 237 et reviennent sans même faire un tour du côté de la poste centrale? Je dis même que combien partent au 237? Bonsoir ma Rosalie. Vous partez au 237? Vous revenez? Pourquoi vous partez, vous revenez alors que les combattants sont là, sont sur le terrain au 237? Alors que Etoudi est à côté? Hein? Vous partez, vous revenez. Parce que vous, et vous voyez vous mettez la réalité sur place que ce n'est pas facile. La main est aux ordres du tyran. Merci, Kali. La main est aux ordres du tyran. On a beau faire, on a beau dire. Le monsieur Maurice Kamto a beau mettre des messages pour faire comprendre à cette armée que l'armée normalement doit être du côté du peuple et non du côté du tyran. Il n'en est rien. Tu oses brancher, on t'attrape. Non seulement on te tue, soit on te met en prison. Hein? On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Moi, je trouve ce discours très, très méchant. Très, très mesquin. Très méchant et très mesquin. Surtout à l'heure actuelle. Je vous invite, vous qui êtes là, qui allez certainement être là le 3 juillet, prenez vos cartons chez vous, les cartons, que vous faites des courses, comme vous allez au marché, il y a plein de cartons qu'on a pliés, on a empilé. Vous prenez vos cartons, bonjour, Menjoya. Vous prenez ces cartons, vous les ramenez chez vous, vous les découpez. Et vous écrivez votre message. Oui, vous écrivez votre message. Parce qu'à chaque fois qu'on a manifesté à Paris, c'est passé dans les télévisions du Cameroun. Ils le voient. Je dis bien, à chaque fois qu'on a manifesté, c'est passé dans les télévisions du Cameroun. Ils voient. Ils voient. Ils sont au courant. Biya est au courant que sa diaspora ne l'aime pas. Il est au courant que nous l'avons vomi. Il est au courant. Et aucun sardina ici en diaspora ne peut nous prouver le contraire. Parce qu'il ne peut même pas se mobiliser 50. Il n'y a que nous, les combattants. Il n'y a que nous qui sommes du bon côté, nous qui sommes du côté des opprimés, qui pouvons nous retrouver à 500 000 à un même endroit. Les sardinards qui sont là pour attendre qu'on leur paye de l'argent pour aller manifester, même malgré qu'on les paye, ne peuvent pas se retrouver à 50 au même endroit. Je le dis preuve à l'appui. J'ai vu les Marie-Paul à l'ambassade. Je les ai même vus à l'arc au Trocadéro. Ils n'étaient pas 50. Pourtant, ils étaient même payés. Mais nous qui ne sommes pas payés, nous sommes toujours plus nombreux. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'on soit nombreux sur le terrain? Vous ne voulez plus? Ça n'a plus d'importance? Ça n'a plus d'impact? Vous dites-vous? Ça n'a plus d'impact de se trouver sur le terrain? Vous me dites cela? Mais ça veut dire que ça n'a aussi aucun impact de faire des directs. Déconnectons-nous, nous tous. Il faut qu'on se déconnecte. Et qu'on reste tranquillement chez vous, chez nous. On ne fait plus rien. Maintenant, on porte notre tête comme ça et on regarde du côté du 237. Parce que même quand tu prends ton téléphone, tu fais une capture d'écran d'un message, d'un journal, d'un ceci, une publication, un commentaire, ceci, tu mets sur ta page, tu le partages. C'est parce que tu t'indignes. Et c'est parce que tu trouves que ça là, c'est injuste. Mais quand on vous dit que non, maintenant, on a la possibilité de sortir de notre téléphone et de nous retrouver sur notre terrain, tous ensemble, malgré nos divergences. Vous pensez que tous ces gens dont je partage des photos sur ma page, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Vous êtes témoin de plusieurs parmi eux qui m'ont lessivé, prendre le temps à repasser comme ça, me repasser avec. Ainsi, Cynthia le disait encore que même pas plus tard que hier, Olivier Tiana était encore en train de me faire bouffer la tontine sur sa page. Elle le disait tantôt. Oui, elle l'a écrit. Que Ebala qui est en prison dit qu'il va tuer tous mes parents au Cameroun.
si je ne m'étais pas retrouvée sur la toile, si je n'ai pas mis un pied dans cette histoire de révolution, eh bien, les mots ne se connaîtraient pas. On ne se connaîtrait pas. Mais je me dis tout simplement qu'on ne peut pas, après un confinement de presque 6 mois, 8 mois, on est resté à la maison, on a eu interdiction de faire ceci, interdiction de faire cela, même ceux qui sont sortis dernièrement pour aller, moi quand je suis sorti dernièrement pour aller devant la BEP, heureusement que j'avais pris la tête, que j'avais pris que il y avait le ndang de Mamouna dans le coin. Quand les Niémans ont arrêté, ils m'ont demandé mon ndang. Quand mon ndang était un peu caché, comme j'ai vu mon porte-monnaie comme ça, il a mis la main, il a pris que le ndang de Mamouna. Il m'a dit qu'on me donnait au moins quatre contraventions avec. Les Salomènes qui sont allés manifester devant Canal Sat ont tous reçu des amendes parce qu'ils n'avaient pas le droit de se retrouver à des milliers de kilomètres de leur maison. Vous nous dites que non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a plus, non, même pas qu'on n'a pas le droit. On n'a plus le droit parce que maintenant, dorénavant, tout se passe au 237. Eh oui, maintenant, tout se passe au 237. Donc, comme tout se passe au 237, éteignons nos téléphones, arrêtons les publications, arrêtons avec les directs, asseyons-nous et regardons, et tournons nos regards vers le 237. Vous pensez que les gens qui sont au 237 ne nous regardent pas? Vous pensez qu'ils ne nous regardent pas? Ils nous regardent. Ils nous regardent. Ils nous regardent. Je veux bien vous certifier et vous confirmer qu'ils nous regardent correctement et bien. Mais ce ne sont pas nombreux. Oui. Je puis vous dire que depuis que j'ai commencé la mobilisation, j'ai tenu la main de ceux qui m'aiment et de ceux qui ne m'aiment pas. Je m'en fiche royalement. Qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, je m'en fiche. Moi, j'ai besoin du nombre à Paris. Seul le nombre m'intéresse. Seule la foule m'intéresse. On doit être la seule priorité, c'est qu'on doit être nombreux pour dire à Bia, dégage, pour dire à Malachie de remettre l'argent qu'il a volé, pour dire à Madeleine Twente de remettre cet argent, pour demander et exiger qu'on arrête tous ces gens. On ne peut pas donner de l'argent, débloquer des sous pour soigner la population et les gens s'enrichissent avec. On ne peut pas. Et vous ne voulez pas qu'on se retrouve pour dire ça? Vous ne voulez pas qu'on se retrouve tous ensemble sur le terrain pour nous indigner tous ensemble? Aujourd'hui, vous trouvez les directs, vous trouvez les mobilisations déplacées. C'est has-been les manifestations, me direz-vous. Les manifestations sont devenues has-been. Ça n'a plus d'effet, ça n'a plus d'impact. Mais vous êtes les mêmes qui vous cachez sournoisement et allez au 237. Passez votre séjour tranquillement et reprenez encore l'avion. Et venez encore nous retrouver ici tranquillement. Comme si de rien n'était. Est-ce que vous pensez que moi, si je peux me cacher même sournoisement pour aller au 237? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas de mouillé. On est mouillé. Est-ce que moi, si aussi, je peux me cacher sournoisement pour aller au 237? Je ne peux pas. Parce que quand je vais arriver, comme ma bouche sort toujours, comme ma mère me disait toujours que ta bouche, tu nous que tu vas m'embrouiller, tu nous que ma bouche sort comme les fesses de la poule. Je veux voir, je vais même vouloir me cacher, mais quand je veux voir les choses qui m'énervent, je veux que ma bouche ne va que sortir, je veux que parler. Et même si je ne parle pas, les gens qui me détestent iront certainement me trahir. Puisque je ne peux pas partir au 237, où est-ce que je peux me retrouver hormis d'être dans mon téléphone pour m'indigner avec les autres Camerounais? Il n'y a qu'à la manifestation que je peux faire cela. Il n'y a qu'à une manifestation que je peux faire cela. Il n'y a qu'à une manifestation que je peux faire cela. Beaucoup, j'ai encore envie de vous dire que beaucoup de personnes, je ne le ferai jamais, Jean-Jacques, je ne le ferai jamais. Si je dois demander pardon à l'ambassadeur, ça veut dire que j'ai commis une infraction. Ou alors j'ai fait quelque chose qui est mauvais, je n'ai rien fait de mauvais pour aller demander pardon à l'ambassadeur. Je n'ai pas besoin de demander pardon pour aller dans mon propre pays. Je ne peux pas et je ne le ferai jamais. Même si Eva la tue ma mère, comme il le promet partout. Même si il tue ma mère, comme il a dit. Je vais pleurer. On va l'enterrer. Et je vais continuer mon combat. Je vais peut-être disparaître pendant un bon bout de temps devant vous. Parce qu'il faudrait que je me reprenne, que je prenne des forces pour pouvoir revenir. Mais je reviendrai. Mais je n'irai pas pour autant demander pardon à l'ambassadeur. Parce que si je demande pardon, ça veut dire que j'ai merdé quelque part.
Ça veut dire que je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que je suis en train de faire depuis des années. Je ne le regrette pas. C'est pour cela que quand je vois certaines personnes dire qu'on ne doit plus se retrouver ensemble au même endroit pour manifester, ça me dérange. Ça me dérange. Je me dis, mais pourquoi? On ne peut pas laisser louper une occasion d'aller ridiculiser Bia. On ne peut pas louper une occasion pareille. C'est impossible. C'est impossible. Peut-être que dans sa tête, il pense que... Et ça, vous allez lui donner raison. Vous allez lui donner raison. S'il reste au Cameroun, il voit 3 Camerounais demain à la place de la République dans une manifestation, il faut au moins 1500 Camerounais. Il va dire, j'ai réussi. J'ai fini par semer le doute dans l'esprit de ces combattants. J'ai fini par les diviser. J'ai fini par les faire se détester les uns les autres. J'ai gagné. Et c'est cela qui les victime. Toujours le même peuple pour lequel vous levez tous les jours pour dire que je me battrai jusqu'à ma dernière veine. Je me battrai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas. Même moi, je ne lâcherai pas. Et comme j'ai dit que je ne lâcherai pas, toute occasion qui me sera donnée d'être là pour dire Bia, dégage, je n'hésiterai pas d'être là. Vous ne venez pas le 3. Vous pensez faire du mal à qui? Vous pensez que c'est à Kamba qu'on fait du mal? Ou bien c'est à Roselyne parce que vous voyez qu'ils ont pris les choses à cœur? Vous pensez que c'est à eux qu'on fait du mal? Non! Vous ne savez pas eux que vous faites du mal? Non, du tout! C'est au peuple meurtri pour lequel vous dites tous les jours que on se bat pour vous, on va se battre pour vous jusqu'à ce que vous allez avoir cette liberté pour laquelle cette liberté. C'est eux qui payent les frais, qui paieront les frais. À chaque fois que l'un de vous dira, je n'y vais pas parce que l'argent du quatre m'énerve, je n'y vais pas parce que telle personne m'a insulté, je n'y vais pas, je vais encore vous dire qu'il n'y a pas de cela, il n'y a même pas de cela 2 secondes. Karine Gambette m'a donné encore une dose quelque part en me disant, l'argent du quatre, je t'emmerde. Elle me l'a dit, Karine Gambette. Il y a de cela quelques minutes même dans un post, dans une publication. Elle a dit, VDK, je t'emmerde. J'ai dit merci. J'ai dit en ce moment, je suis en mode peace and love. Je suis en mode mobilisation. J'ai dit merci. Elle m'emmerde. J'ai dit merci. Oui. Ça enlevait quoi sur moi? Bonjour Georgette, ça enlève quoi sur moi? Je le dis parce que pour l'instant, je n'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de détourner de mon objectif qui est la mobilisation. C'est pour ça que je lui ai dit merci. Il y a de cela 2 semaines, elle m'aurait dit ça, je lui ai donné sa dose correctement et bien. Mais pour l'instant, je me dis que non, je ne peux pas être en train de mobiliser et en même temps être en train de vouloir enterrer un combattant vivant ou bien de vouloir enterrer une combattante vivante. Non. On n'est pas des ennemis. J'ai vu hier, j'entends des gens dire que du fait que c'est un des nôtres, parce que vous savez, j'ai toujours dit que les gens, je ne connais pas, moi je ne sais pas, j'ai du mal à appeler quelqu'un infiltré. Parce que du moment où je décide que quelqu'un est infiltré, il faut que j'ai les preuves. Et quand je n'ai pas les preuves, j'ai du mal à dire que quelqu'un est infiltré. Mais on peut avoir des divergences d'opinion, on peut ne pas regarder du même côté tout le temps, on peut ne pas penser la même chose tout le temps, même dire la même chose tout le temps. Mais j'ai du mal à dire que oui, X est infiltré ou Y est infiltré. Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est comme la panthère. Parce qu'il est très, il s'exprime beaucoup là-dessus, ou bien les Rosidino avec la tenance Camto, que du moment où ils le disent et ils prennent les devants, ça dérange. J'ai envie de vous dire ceci. Avant de devenir aujourd'hui des MSistes, c'était des activistes comme nous. Ils étaient activistes comme nous. Ils ont décidé d'embrasser l'idéologie d'un parti politique. Oui, je vais le dire pourquoi, parce que je pense que on se trompe tous, en fait, on se déteste pour rien et on se fait la guerre pour rien. Moi, j'ai eu à le dire, hein, avant de me retrouver devant vous aujourd'hui, vous savez bien ma position, j'ai toujours dit que la tendance, c'est le peuple, parce que c'est le peuple qui prend quelqu'un pour le mettre à tel endroit.
Mais du fait que Roselyne ou bien quand moi disent que la tenance est quanto, ça m'a cassé au début en fait, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? J'avais l'impression qu'ils voulaient nous imposer quelque chose. J'avais l'impression. Aujourd'hui, quand je travaillais, je me suis dit, mais purée, pourquoi est-ce qu'on est... On est là, on est divisé. En fait, tous ceux qui pensent que l'alternance n'est pas Kamto, ou alors, parce qu'il faut bien que je dise les choses, du moment où on dit que le leader de la révolution camerounaise, c'est Maurice Kamto, on le dit tous, tous les activistes le disent, le leader, c'est Maurice Kamto. Oh, tu sais, c'est ça. J'ai été infiltré depuis. C'est pas aujourd'hui qu'on va encore me traiter d'infiltré jusqu'à. Ça va bien, Clarence. Donc, nous tous, on dit, notre leader, c'est Maurice Kamto. On le dit tous. Calibri le dit, Max le dit. Même si les gens changent, même si après deux jours, trois jours, les gens changent encore comme la météo, ils disent autre chose. Nous tous, on le dit que c'est le leader. De toute façon, c'est le principal leader de l'opposition camerounaise. C'est à dire que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Aujourd'hui, on a des activistes qui sont entrés dans le MRC, qui sont devenus des MRCistes. Et ils ont leur slogan qui est « l'alternance est Kamto ». Ce qui est justifié, en fait. Ils sont MRCistes. Tous les MRCistes pensent que l'alternance est Kamto, parce que c'est Kamto qui est le président de leur parti, et c'est Maurice Kamto qui doit se présenter aux élections s'il s'avérait qu'on représente les élections. Je vais expliquer, parce que en fait, j'ai l'impression qu'on se tue pour rien, on se bagarre pour rien, on veut tuer l'autre pour rien, parce qu'on passe à côté des détails. Et ces détails, parfois, il suffit peut-être de se poser un peu, ou bien d'être concentré sur quelque chose pour dire, mais bien sûr, je me trompais depuis. Et c'est ça, en fait. Tout est MRCiste. Aujourd'hui, Kamwa est MRCiste. Aujourd'hui, Roselyne est MRCiste. Ou alors, Justine Boukam, elle est MRCiste. Donc, si c'est normal que leur discours change, en fait, c'est normal et c'est justifié que leur discours change. S'ils le disent que l'alternance est Kamto, ils partagent l'idéologie d'un parti politique, parce que je pense que tous les MRCistes estiment que l'alternance est Kamto. C'est leur leader. C'est d'abord leur leader, mais c'est aussi le président, et c'est lui. En fait, s'il y avait élection demain matin, c'est lui qui serait le candidat. Parce que c'est lui le candidat qu'ils ont choisi. Et nous, dans notre côté, on a plusieurs activistes qui disent non, l'alternance c'est le peuple, l'alternance c'est ceci, l'alternance c'est cela. Oui. En quoi est-ce que celui qui dit que l'alternance c'est le peuple et celui qui dit que l'alternance c'est Kamto, en quoi est-ce que ça vous dérange de vous retrouver au même moment, au même endroit pour dire Paul Biya dégage? Qu'est-ce qui empêche soit l'un, soit l'autre de tirer ses deux petits pieds tranquillement et de venir dire Biya dégage, ou bien Malachi rembourse l'argent, ou bien Madeleine tu as été, sors-nous l'argent là où tu as mis. Ça empêche quoi? L'un n'empêche pas l'autre. Je suis... Pour le leader, l'alternance, c'est le peuple. Mais mon leader, c'est Maurice Kamto. On va dire l'alternance, c'est le peuple. Parce que moi, je vais tout simplement dire logique que oui, c'est le peuple qui choisit quelqu'un. Mais les gens du MRC, les Kamois, les Justine, ils ont choisi leur... Ils font partie du peuple. Ils ont choisi leur personne qui va leur représenter. Donc, c'est tout à fait justifié qu'ils nous cassent les oreilles tous les jours. Et tellement, ils ont commencé avec cette histoire. Je vais encore vous dire, cette histoire a commencé tout doucement. Tellement, vous avez montré, moi y compris, hein, je dis quand je dis vous, je me mets dedans. On a montré que ce mot-là nous dérangeait. Ce mot-là nous énervait. Pas parce que c'est méchant. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre qui disait que l'alternance est comme tout, ça aurait résonné joliment dans nos oreilles. Ça aurait été des mots doux dans nos oreilles. Mais comme moi, beaucoup ne l'aiment pas. Je vais dire, excusez-moi, beaucoup ne l'aiment pas. Du fait que c'est lui qui est devant ce mouvement, ça dérange. Ça dérange. Donc, l'alternance est comme tout que vous voyez là. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas ça. C'est par rapport aux gens qui sont dedans que ça dérange les gens. Et ça, c'est complètement légitime pour n'importe qui. Vous pouvez aimer ou bien vous ne pouvez pas aimer. Mais quand il s'agit de se lever et de se rassembler pour le Cameroun, oubliez qui a créé le mouvement. Oubliez. Oubliez qui a récité, oubliez qui vous chante, oubliez ceci. Retrouvons-nous tout simplement.
retrouvons-nous. Que quand... je me suis dit, mais... Ce n'est pas en fait, le fait qu'on dise la tenance, non. Ce n'est pas ça qui est dérangeant. Pour beaucoup d'activistes, ce n'est pas ça qui est dérangeant. Ce n'est pas ça. C'est celui qui le dit qui pose problème. Je vais encore vous faire une anecdote. C'est nous. On ne se rend pas compte, Jean-Jacques Dédé. Je vais vous dire, c'est nous qui avons propulsé ce mouvement en haut. C'est nous là. C'est nous aussi qui l'avons propulsé en haut. Parce qu'à force de critiquer, ça tous les jours. Oh, alternance, c'est comme tout, c'est quoi? Oh, comme la panthère. Oh, Roselyne, ne nous fatiguez pas avec ça. À force de critiquer, les gens ont fini par dire que, mais pourquoi on critique trop cette chose-là? Pourquoi on critique trop? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé à s'intéresser plus tôt. Regardez quelque chose, même peut-être qu'il était même censé mourir dans l'œuf. À force que vous critiquez ça matin, midi, soir, quelqu'un n'a pas fait 3 dire sans parler de ça, quelqu'un n'a pas fait 4 dire sans parler de ça, ça finit par prendre de l'ampleur sur la toile. Même les gens qui ne disaient pas ça au début, maintenant le disent. Vous avez rendu service à qui? Les tricots, un genre. Chacun a voulu savoir ce qui veut dire tricot, un genre. Finalement, d'autres sont partis même par curiosité, ils sont partis caler. Justine Boucan, je vous dis une chose. Justine Boucan que vous voyez aujourd'hui là, qui est devenu d'angle et l'os avec un moi. C'est pourquoi? Elle s'est pris de sympathie pour lui. Pourquoi? Parce qu'on a trop cogné sur sa tête de un moi. Oh, tu es le traître. Oh, tu as pris la reine de comtesse. Oh, tu as pris la reine de ceci. Oh, 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 oh. On a passé le temps à le dire. Oh, tu es infiltré. Je vous ai dit qu'avant de dire que quelqu'un est infiltré, sortez d'avoir les preuves. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu une preuve sur la toile. À force de vouloir tuer quelqu'un, il finit par attirer plutôt de la sympathie. Tout ce qu'on fait, on produit plutôt l'effet inverse. On produit l'effet inverse. Vous pensez que quand les gens ont fini par... Quand le peuple camerounais a fini par prendre Kamto en sympathie, tout le monde n'a pas pris en sympathie parce qu'il est le président du MSC. D'autres l'ont pris en sympathie parce qu'on a vu comment le gouvernement s'acharnait sur lui. Il suffisait que Kamto écrive un mot pour que Famon Dongo réponde, Grégoire Owona réponde, tous les journalistes répondent, tous les ministres répondent. Mais ça a dû éveiller encore les soupçons, ça a dû éveiller la curiosité des plus sceptiques. Et les plus sceptiques ont dit, mais comment une seule personne écrit et tout le monde s'acharne dessus comme ça? Mais qui est cette personne? Qui est cet homme? C'est qui? C'est de qui qu'on parle tous les jours comme ça? C'est vous qui avez rendu, quand je dis vous, hein, moi y compris, c'est nous qui avons rendu la tenance et Kamto viral sur la toile. C'est nous. Maintenant vous en voulez à qui? Prenez un verre d'eau, vous mettez dedans, vous remplissez, vous buvez, on pousse avec, ça descend tranquillement et on passe à autre chose. Parce que là c'est trop tard. C'est trop tard. On fait parfois des choses sans se rendre compte que ce qu'on est en train de faire produit l'effet inverse. Oui. Ça produit l'effet inverse. Aujourd'hui, si tu prononces le nom de Kamwa, Justine Boucan est la première à se lever pour pouvoir les défendre. Parce qu'elle s'est prise de sympathie pour lui. Et elle avait dit qu'on a trop tapé sur cet enfant. On a trop tiré sur cet enfant. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Et c'est comme ça. Comme Justine Boucan est allée vers lui, les gens qui aiment Justine Boucan se sont aussi intéressés, vont aussi dire, ah, mais Justine Boucan, maintenant elle est avec Kamwa. Ah bon, si maintenant elle est avec Kamwa, moi aussi je vais être là-bas. Roselyne, maintenant elle est avec Kamwa. Ah bon, moi aussi je vais y aller. C'est nous. À force de nous moquer. Moi, la première, je me moquais aussi. Hein. Je ne vous ai pas enlevé. Je ne me suis pas enlevé dedans. Moi-même, j'étais parmi les moqueurs et les moqueuses. Et ceux qui disaient voilà le voilà le on est où est le tu passes partout. J'ai vu aujourd'hui même Jean Bonheur qui est mon ami, Jean Bonheur résistant, j'ai vu en gros sur sa page l'alternance est comme tout, c'est comme ça. À force de cogner, oh c'est un traître, oh c'est un infiltré, oh il a pris un de Coutesse, oh il dort avec Coutesse, oh il a pris ici, oh il a mis là-bas. Ça pousse la curiosité, ça attire l'attention. On dit que mais pourquoi on tire trop sur le gars là comme ça? Pourquoi? Les gens partent même seulement pour guetter et pas te caler. Comprenons quelque chose. Ce n'est pas le seul. Non.
Ce n'est pas le seul qu'on combat. Je suis d'accord avec toi quand il est très. Ce n'est pas le seul qu'on combat. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mais l'affaire de un genre, il ne se passait pas 3 jours, 2 jours sur la toile sans qu'on entende les tricots un genre. Moi-même, j'ai fait plein de directs où j'ai critiqué les tricots un genre. Mais je vois des gens faire même plusieurs directs pour critiquer les tricots un genre. Et je vois aujourd'hui dire, ce n'est pas, en fait, je le dis bien, ce n'est pas les tricots là qui dérangent. C'est ceux qui le portent qui posent problème. Parce qu'on n'a pas des affinités avec eux. Parce qu'on n'a pas des acquaintances avec eux. Tu peux me dire exactement, tu peux me dire là, quand il était que ce n'est pas les seuls qu'on critique. Mais c'est nous qui avons fait leur publicité, sans même nous en rendre compte. Tu sais, quand la CIA parle de Maurice Kamto au journal, il fait la publicité de Maurice Kamto sans s'en rendre compte. Quand Vision Kaka parle de Maurice Kamto, il fait la publicité de Maurice Kamto. Regardez dernièrement, un exemple tout banal. Quand la chaîne là qui a fait le reportage sur Rémi Gonon, la chaîne qui a fait le reportage sur Rémi Gonon, ils ont fait le reportage sur Rémi Gonon, non? Ils ont traité de tout et de rien. Les milliers et des milliers de Camerounais ont suivi ce reportage. Hein? On a suivi ce reportage. On était tous outrés, tous choqués. Ils ont d'abord fait une très, très, très grande publicité sur Rémi Gonon. Ils pensaient, comme je dis, lui faire du mal, mais ça produit l'effet inverse. Ça produit l'effet inverse. Lorsque Rémi Gonon a voulu répondre, vous avez encore vu que même ceux qui n'étaient pas, ceux qui ne le suivaient pas, même ceux qui... Je suis sûr que ce jour, on a battu tous les records. Il y avait les curieux. Il y avait les gens qui venaient pour entendre la réponse. Il y avait. Et c'est, ça a encore plutôt redoré le blason. Ça encore. Non, Jean-Jacques. Peut-être que toi, tu critiques l'idéologie, mais beaucoup critiquent les personnes qui portent. Je t'ai dit, et je le dis et j'assume. Si... Tu sais, si c'est quelqu'un d'autre qui disait que c'était... Si c'était un autre activiste qui disait que l'Athéna, c'est Kamto, la résonance serait différente. Quand tu dis, par exemple, là, tout à l'heure, qu'ils ont voulu tuer la basse, personne ne peut tuer la basse quand il est très... Tu sais... À une époque aussi, ce que l'Athéna Sekamto a subi ces derniers temps, la basse l'a aussi subi. Je vais te dire, quand il est créé, je ne suis pas étranger dans la révolution. Et même les choses auxquelles je n'ai pas assisté, je suis au courant. Je n'étais pas à la création de la basse, mais je peux te raconter la création de la basse de A à Z. Parce que les créateurs, je les ai tous côtoyés. Je les connais. L'histoire de la basse, je la connais. Je vais te dire une chose. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques même pas quand j'ai quelques années, comme si avec là 10 ans, peut-être l'année dernière ou avant-dernière, on disait que qui garde le combat. On disait que quoi? Salomé Tchapchet garde le combat. Oh, Eva Tché Calibri. Oh, Salomé Tchapchet. Oh, Salomé Tchapchet. Oh, tu ne pouvais pas faire 2 jours. Même, tu partais où s'entendre le nom, sans entendre parler de Salomé. Il y a eu ce temps où les gens ont voulu détruire la basse. Il y a eu ce temps où Calibri, il s'est mis devant et il a subi, il a encaissé. Aujourd'hui, la basse n'est plus quelque chose qu'on doit faire comme si on va protéger pour dire que non, on va détruire la basse. La basse, aujourd'hui, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et à la même époque, j'avais dit la même chose que ceux qui pensent qu'ils sont en train de vouloir tuer la basse. En fait, ceux qui voulaient tuer la basse à cette époque, avec les critiques, tout au contraire. Je l'avais même dit à Salomène que Salomène, plus tu critiques Calibri, plus ça lui attire plutôt de la sympathie. Si elle est honnête, elle vous le dira. Je le lui ai dit, inbox, que plus tu le critiques, plus tu le critiques sur la toile, plus ça lui attire plutôt de la sympathie. Et c'est ce qui s'est passé. Et la même chose se reproduit avec le scénario de l'Athéna Sekamto. Oui, j'ai vu des gens qui l'année dernière n'avaient aucune sympathie pour comme moi. Aujourd'hui, ils sont tous alignés derrière lui. Ils sont tous alignés derrière lui. Mais posez-vous la question. Donc, quand tu me dis qu'ils ont voulu tuer la basse jaune ne peut pas... C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. La basse, aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Ce n'est plus quelque chose qu'on va dire que, oh, on veut tuer la basse. La basse jaune, là, c'est toi, c'est moi, c'est X, c'est Y, c'est tout le monde.
C'est un état d'esprit. Ce n'est plus quelque chose que quelqu'un va dire que... Que c'est pour moi, non, ça m'appartient. Non, c'est un état d'esprit. On ne peut pas tuer la basse quand il est créé. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs de la basse. Ils sont tellement nombreux. Ouais, le téléphone ici. Oh là là. Hop, excusez-moi. Les défenseurs de la basse sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, on ne peut pas tuer la basse. Et c'est comme ça, à l'époque où les gens disaient, oh, on veut tuer la basse, oh, on veut tuer Calibri, oh, on veut faire ceci, oh, vous ne voulez pas, oh, ceci. C'est comme ça qu'on chantait, comme ça qu'on criait, c'est comme ça que les gens s'indignaient, et c'est comme ça que les gens allaient chercher pour dire que, mais, pourquoi on veut faire, pourquoi on veut tuer ce jeune garçon, pourquoi, pourquoi? Et je ne cessais de dire, ça domaine, arrête, laisse, ne le critique plus, ne tire plus sur lui, parce qu'à chaque fois que tu tires sur lui, il vient, il l'explique, il fait le direct, il explique, les gens ont plutôt de la peine, il attire plutôt de la sympathie, ça produit plutôt l'effet inverse. Je le lui disais, et c'est ce qui se passait, à chaque fois que Calibri venait expliquer, comment ça s'est passé? Comment ceci? Comment cela? Oh mon fils, courage! Oh mon fils, tu n'es pas seul! Oh mon fils, on est avec toi! Oh mon fils, c'est comme ça! Voilà le même scénario qui se produit avec la tenance Kamto. On aurait pu critiquer ça une fois, deux fois et passer dessus. On s'est accroché. On a dit il faut qu'on détruise. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça n'existe plus. Il faut que. Comme on fabrique les trèches chaque jour dans nos cerveaux, on les fabrique chaque jour. Chaque jour, on pond un trèche sur la toile. C'est comme ça qu'on a dit, oh, il est traître, oh, il est comme ça, oh, il est comme ça, hein, à cause de, oh, à choisir. Voilà ça. Oh, faut qu'on arrête. Aujourd'hui, on est opposé. On dit non. Ceux qui disaient que la tenance sur le peuple ne sont pas d'accord avec la fête de la manifestation. Parce que d'autres disent parallèlement que la tenance, c'est. J'ai pas dit qu'on veut tuer comme moi. Excuse-moi, quand il est traître, ne répète pas les mots, s'il te plaît, parce que je ne vais pas faire la une de beaucoup de magazines demain. Je n'ai pas dit qu'on veut le tuer. J'ai dit tout simplement que quand on s'acharne, même moi, je l'ai dit, même moi, je fais partie des gens qui ont dit les tricots un genre, les tricots bleus. J'ai critiqué. J'assume. J'ai critiqué. Donc, je fais partie de ceux qui ont plutôt encensé ce mouvement. Qui pouvait même disparaître, que si on avait peut-être critiqué deux fois, ne pas insister dessus. À toi, on va parler, oh, comme les gens nous forcent, comme les gens exigent que, comme les gens. Je vous dis qu'ils sont aujourd'hui des MS6. Donc, ils répondent à l'idéal du MSC qui est la tenance Kamto. C'est aujourd'hui que c'est arrivé au niveau de mon cerveau, ça devait arriver. Parce que même moi, depuis là, je ne comprenais pas pourquoi ils insistent, pourquoi ils le chantent, pourquoi ils nous bassinent les oreilles. Mais je ne comprenais pas. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un déclic ou bien c'est Magna qui m'a envoyé un message. Il m'a dit que, mais, pourquoi discuter avec le Facebook, hein? Mais c'est normal. Ils ont embrassé, aujourd'hui, ils ont embrassé l'idéologie d'un parti politique. Donc, c'est normal qu'ils disent que cette personne-là, la tenance, c'est cette personne qu'ils ont choisie. C'est la personne qu'ils ont choisie. Et c'est aussi normal que ceux qui n'ont pas embrassé toute l'idéologie de ce parti politique disent que la tenance, c'est le peuple. Mais qu'est-ce qui empêche et les gens du MSC et les gens de la tenance, le peuple, de se retrouver le 3 juillet? Pourquoi l'un devrait empêcher l'autre? Pourquoi? Tu sais, quand crie les traits, tu peux crier, tu peux dire haut et fort, coucou Sandy, tu peux dire haut et fort que comme moi, est une coquille vide. C'est ton libre choix. Mais aujourd'hui, la coquille vide que tu vois, en sens des gens derrière. Aujourd'hui, la coquille vide que tu vois, si au départ, il y avait deux personnes derrière, aujourd'hui, il y en a peut-être trois. il y en a peut-être trois aujourd'hui, alors que la coquille vide pouvait rester vide. Si ces discours que tu tiens aujourd'hui, peut-être on n'a pas eu à tenir ces discours. Cette coquille vide pouvait rester vide. Donc tu vois donc que nous avons tous participé à cela, qu'on le veuille ou pas. Tu trouves que c'est une coquille vide. Mais ceux qui sont avides ne trouvent pas que c'est une coquille vide. Donc, j'avais déjà dit, pas une fois, pas deux fois, ne tuez pas l'autre pour exister. Facebook est grand pour tout le monde. Facebook est grand pour tout le monde. Chacun a sa place. Chacun a son lopin de terre. Chacun coupe sa part de portion. Il colonise, ça devient sa part de pays. Il fait tout ce qu'il veut dessus.
Nous voici aujourd'hui. Nous avons une manifestation le 3 juillet. Mais le principal problème qui nous, le principal problème qui nous dérange, c'est que est-ce que tu es pour l'alternance Kanto ou est-ce que tu es pour l'alternance le peuple? Voilà notre problème. Et juste par rapport à ce petit détail, on est tous bloqués. Les gens disent que non. Si c'est l'alternance Kanto, je ne viens pas. Parce que pour moi, l'alternance, c'est le peuple. Mais nous représentons tous quoi? Nous revendiquons tous pour qui? Nous revendiquons tous pour qui? On revendique pour qui? Pour le peuple, non. L'alternance, c'est comme toi, revendique pour le peuple. L'alternance, c'est le peuple, revendique pour qui? Pour le même peuple. Donc, il n'y a rien de mauvais à ce qu'on se retrouve, nous tous, au même endroit, pour continuer à revendiquer. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Rien. Vous voyez, rien. Rien n'est mauvais. Moi, je vais tout simplement vous dire, si vous décidez de ne pas assister à une manifestation par rapport à une personne ou par rapport à certaines personnes qui ne vous plaisent pas, c'est du gâchis. Et c'est une façon encore de ralentir le combat, qu'on se le dise clairement. Oui, c'est encore une façon de ralentir le combat. Oui, parce que si on va aller, quelqu'un m'a dit hier, j'ai vu un post, non mais pas hier, j'ai vu un post ce matin qui disait, c'était écrit, c'est quoi? C'est mon ami là qui dit toujours son avis, mon frère Bangante Bertini, chaque jour il donne son avis. Il a demandé que c'est quoi le but de la manifestation du 3 juillet. Voilà ce que mon frère camerounais s'assoit loin là-bas aux États-Unis, demande que c'est quoi le but? Alors, moi j'ai dit, il y a beaucoup de buts pour la manifestation du 3 juillet. Oui, oui. Pour moi, le but de la manifestation du 3 juillet, ce n'est pas, on ne va pas faire le meeting d'un parti politique. Non, ce n'est pas le meeting d'un parti politique que nous allons faire. C'est le meeting du Cameroun, du grand Cameroun. On peut revendiquer, on peut demander à Malachi où il a mis les milliards du COVID, à Madeleine Twente, à Paul Biya. Regardez aujourd'hui là, on vient encore de le montrer. On est en train d'inaugurer un feu de signalisation. C'est à l'est Cameroun. On a que d'inaugurer un feu de signalisation en 2021 à l'est Cameroun. C'est quoi le but? Si je vous dis que non, c'est pour aller demander non à la guerre dans le dos, c'est que ah non, vous dites ça tous les jours, vous dites ça tous les jours. Est-ce qu'on peut manquer un but de nous retrouver tous ensemble au même endroit, au même endroit, nous tous ensemble? Est-ce qu'on peut manquer des raisons concernant le Cameroun? Est-ce qu'on peut manquer? On ne peut pas manquer. On ne peut pas. Aujourd'hui, vous dites que si c'est peut-être en dessous du MRC, d'autres ne viendront pas. J'ai bien envie de comprendre pourquoi vous ne viendrez pas. Parce que quand le président, quand Maurice Kamto est venu, Maurice Kamto est le président, le leader, il est tout du MRC. Et nous étions tous bien là ce jour-là, à l'acclamer. Même ceux qui étaient du MRC et même ceux qui n'étaient pas, y étaient. On dit qu'on veut aider, que les choses changent. On veut aider. Que ce que Maurice Kamto et ceux qui sont au Cameroun sont en train de faire, que ça puisse avoir encore un écho plus fort. Mais c'est en nous retrouvant au même endroit pour nous indigner tous ensemble. C'est par rapport à ça que ça va avoir un quelconque écho. C'est en nous retrouvant ensemble au même endroit. C'est par rapport à ça que ça aura un même écho. C'est tout. Ce n'est pas un miracle. J'avais déjà dit qu'on peut être tous ensemble au même endroit et chacun dans son couloir. Et ça se dessine tous les jours. Je vois des gens au même endroit tous les jours et chacun est dans son couloir. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien qui empêche. Est-ce que, donc, ainsi, Cynthia, tu viendras, donc, pour que tu viennes, il faut que Maurice Kamto soit là. Hein, ma chérie? Si tu dois être à Paris le 3 juillet, il faudrait que Maurice Kamto soit là, ma belle. Hein? Donc moi si je suis là, je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas ta soeur. Donc tu vas venir tenir ma main pour que tous ensemble on crie libéré, Sébastien Eva Lakit qui va tuer toute ma famille là-bas au Cameroun, libéré, peut-être qu'on l'avait libéré depuis, il ne serait pas en train de m'en vouloir. Libéré, Dibinou Sak,
que vous avez tous mis sur vos photos de profil. Libérez Alain Forêt dans la photo de profil. Vous avez tous mis sur vos photos de profil. Vous pensez que si Alain Forêt de loin dans sa prison là-bas en Kondengi, voit encore des milliers et des milliers de Camerounais rassemblés au même endroit en train de crier libérez Alain Forêt, libérez Bibou Nissa, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Dites, est-ce qu'il ne sera pas content? Parce que moi, je vais encore vous dire que quand nous avons arrêté là-bas à Paris, qu'on a fait la garde à vue et qu'on était dans la. On était ensuite avec Kamala Panthère qui est là aujourd'hui. C'est Kamala qui dit, écoute, à l'époque, il ne m'appelait même pas de la vie. Nadine, écoute, dehors. J'entendais les calibres chanter libérer. On était dedans. Et on entendait les gens chanter dehors. Libérer. Ils étaient en train de chanter libérer pendant qu'on était dedans. Donc je pense que. Ça sera le mamie pire sans dire. Je pense que si le 3 juillet, je tiens la main de NC Cynthia, je tiens la main de Noumbissié, l'autre tient la main, et on est tous en train de scander. Libérer. Oui, quand il est très. Libéré et que cette photo ou cette vidéo arrive devant Bibi Nusa, il va dire ah, ces gens, ils ne nous oublient pas. On les porte dans nos cœurs et quand on a une occasion de l'exprimer, il ne faudrait pas qu'on hésite. Et qu'est-ce que j'allais dire quand il est très, tu dis continuer à danser le coupé décalé, c'est très ironique mon combattant, c'est très ironique et je peux aussi te dire que c'est très méprisant et il n'y a pas quelque chose de plus mesquin que le mépris. En fait, à t'entendre parler ou à t'entendre écrire, tu as la science infuse. En fait, c'est ce que toi tu penses ou ce que tes amis et toi vous pensez. C'est ce que vous pensez qui est vrai. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous dites qui est la pure vérité. Ce que les autres pensent qui diffère de ce que vous pensez n'a pas d'effet. C'est inutile. Mon père, mon fils, comme j'appelle souvent, et mon petit frère. La foule. Il n'y a pas de que tu ne parles pas de BDK. Tout ce que tu parles de la sang aussi les combattants quand il est très. Même si tu ne parles pas de moi, c'est parce que tu m'as dit que je ne parle pas de toi que ça va me réjouir. Non. Tu parles certainement aussi des autres combattants. Tu cherches quoi, chérie? Oui, mais t'as pas besoin de te courber. T'as pas besoin de te courber. Oui, prends-le, tu bois de là. Donc, c'est très, très irrespectueux. Que tu le dises à moi ou pas à moi, je tiens encore à te dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je te parle, nous sommes du même côté du combat. Malgré nos divergences, après tout ça, divergence d'opinion. Malgré nos divergences d'opinion, nous sommes toujours du même côté du combat. Malgré la mésentente, malgré la colère, nous sommes du même côté du combat. Tant que j'ai cette conviction-là en moi, je vais continuer à danser le coupé décalé. Je vais continuer à mobiliser parce que je suis convaincue que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Ce n'est pas avec les insultes. Ce sont des nouvelles insultes qu'on va découvrir aujourd'hui. On n'a pas dit quoi à qui? On n'a pas dit quoi? Est-ce que même si je n'insulte pas, on insulte. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, l'alternance est le peuple, l'alternance est comme tôt, c'est la même chose. Retrouvons-nous le 3 juillet à Paris pour demander à Ngongo, pour demander à tous ces gens de libérer notre pays. Ce n'est que là qu'on peut se retrouver. On ne peut se retrouver que là. On n'a pas un autre endroit où on peut aller s'exprimer. On n'a pas un autre endroit. On ne peut pas toujours continuer à rester que derrière nos téléphones. On peut, si on le veut. Il suffit que chacun mette son ego au placard. Ça fait une semaine que j'ai pris mon ego, j'ai mis dans le placard, j'ai fermé la clé. J'ai dit, l'agent du Quat, mobilise. Et je continue à mobiliser. Et je vais continuer à mobiliser jusqu'au 3 juillet.
jusqu'à ce que cette manifestation ait lieu, jusqu'à ce qu'elle se passe de la plus belle des façons. Oui, jusqu'à ce qu'elle se passe de la plus belle des façons. Parce que c'est de ça qu'il est question. Si quelqu'un me dit, oh, la chose du quoi, ça ne sert à rien de, mobiliser, de vous retrouver à Paris, ça ne sert à rien, tout ça se passe au 237, je vais aussi répondre à la personne, ça ne sert à rien de faire les directs. Ça ne sert à rien de faire les directs. Oui, ça ne sert à rien. Puisque tout se passe au 237, arrêtons les directs, arrêtons tout, et regardons le 237. Moi, je ne peux pas y descendre, donc je vais seulement que regarder. Chacun de nous peut faire son combat où il se trouve. Les gens du 237, nous leur demandons tous les jours de sortir. On leur demande de sortir au 237 parce qu'ils sont sur place. C'est pour ça qu'on leur demande de sortir. Fontine, tu sais très bien que si on dit là, tout ça là, tout ce qu'on a bien annoncé sur la toile que sortir au 237, le... Non. Quand il est très, je vous ai dit, hein, le mariage c'est jusqu'à la gare. Personne ne va laisser l'autre. Peut-être que même le 3 là, tu seras là-bas à la manifestation, je ne saurais même pas que c'est toi. Tu vas venir me dire bonjour la mère, je vais te saluer sans savoir que peut-être même que c'est toi. On est là pour le Cameroun. Tu peux dire, penser ou bien penser différemment de moi, mais c'est qu'on est même du même côté du combat, donc on avance ensemble. Donc je disais ceci. On ne peut pas dire que la manifestation, on demande aux gens de sortir au 237, tous les jours on le dit faut-il. On le dit tous les jours. Tous les jours on le dit. Coucou la tontinade Marcel, coucou ma grande. Tous les jours on le dit. Bonjour Ona Annick. On le dit tous les jours. Mais est-ce une raison, je vais encore te poser la question à toi faut-il, est-ce une raison pour ne pas se réunir en diaspora? Si on demande aux gens de sortir au Cameroun, est-ce qu'on n'a pas aussi le droit de sortir, nous qui sommes à l'étranger, de sortir aussi? On a le droit de sortir aussi. Et toutes les manifestations du 237 où on a toujours annoncé, vous savez ce que le gouvernement de Biya a toujours fait. Vous savez la réaction. Dès qu'ils sont au courant que c'est tel jour, eux aussi, ils s'organisent en conséquence de cause. Ils s'organisent même la veille. Oui. Rien ne nous empêche qu'après le 3 juillet, on organise pour le 237 de façon camouflée, de façon stratégique, pas sur la toile, pas venir dire que non, sortez, ben non, que ce soit une surprise, parce que le jour même où les gens sortiront du 237, ça ne sera même pas une manifestation qu'on aurait annoncée, ça sera un truc comme ça. Ça ne sera pas un truc qu'on aurait annoncé. Et je dis, est-ce que on a dit que si on sort le 3 juillet à Paris, est-ce qu'on a dit que les gens ne doivent pas sortir le 3 juillet au Cameroun? Est-ce qu'on a interdit les gens de sortir? Est-ce qu'on a dit que ne sortez pas? Est-ce que non? On n'a rien dit de tout ça. On a tout simplement dit que nous, on se retrouve à Paris le 3 juillet. Et pourquoi vous trouvez cela incompréhensible? Pourquoi vous trouvez que ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa raison d'être? C'est ça que moi, je ne comprends pas tout simplement. On se bat. Au départ, on se battait parce que on ne voulait pas que les gens disent que la tenance est comme tout. Oh, ceci, oh, cela. Oh, ils étaient combattants avant, maintenant ils sont devenus MSIS. Oui. Ils étaient combattants avant, maintenant ils sont devenus MSIS. Et ils chantent que le slogan de ce parti politique. Nous, moi-même, j'ai eu du mal à comprendre ça. C'est aujourd'hui que je sais que c'est ancré dans mon cerveau. Que quand moi chante que la tenance, parce qu'il est MSIS, donc aujourd'hui il a changé de discours. Il dit qu'il ne combat plus avec le caillou, maintenant il combat qu'avec l'arbre de paix. Ça, c'est l'idéologie du parti politique qu'il représente aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, je ne sais pas, si aujourd'hui, Paul Biya arrive là à Omeris, j'aimerais bien voir Kamoua arriver avec son arbre de paix. J'aimerais bien. Tu sais, vous savez, les gens... disait toujours, même quand on change, on dit, ah non, maintenant, je vais me tenter comme ça. Mais les gènes restent. Et c'est quand l'action se pose, coucou Flora Petou, c'est quand l'action se pose que tu vois les réactions des uns et des autres. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire, la tenance est comme tôt, et patati et patata, ça représente complètement l'idéologie du parti qu'ils représentent. Et c'est, ça ne devrait plus aujourd'hui nous poser un quelconque problème. Nous qui disons que la tenance, c'est le peuple.
Nous défendons qui? Ce peuple. Eux qui disent que la terre c'est comme tout, eux ils défendent qui? Toujours ce même peuple. Donc, rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a écrit là? C'est qui ça? Dites-nous si quoi, si United for Cameroun sera à Paris. Mais ça, c'est quelle question qu'il pose là? C'est quelle question qu'il pose là? Si les ambassadrices, même si ce n'est pas sur la page de United que tu m'as de parler, si nous sommes déjà, si moi, en tant qu'ambassadrice de United, je suis en train de dire que c'est Malondo, c'est l'Ondolais Miondo, le 3G à Paris. Et que tu vois bien également que Sandy a écrit que c'est le 3 juillet à Paris. Nous sommes déjà d'abord les ambassadrices de United. Donc ça veut dire déjà que United, que qu'on le veuille ou pas, United va être là. Je dis bien qu'on le veuille ou pas. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de Marie Bifak, cette personne qui a posé cette question. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Fonti. Je suis d'accord avec toi qu'il faut mobiliser des deux côtés. Et je pense que c'est ce qu'on a toujours fait. Balance-y, s'il te plaît. Je suis en pleine mobilisation. Et j'aimerais que le direct soit aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas la peine que vous venez là pour insulter les gens. C'est ça, moi, c'est ça qui m'énerve parce qu'en fait, on est en train de faire un direct pour sensibiliser. On est en train de faire un direct. Tu me vois, je suis en train de discuter avec plusieurs personnes. Je ne les connais pas. On est en train de discuter. Je réponds à leurs questions. Et ils répondent, on répond, on échange. C'est un échange respectueux. Ce n'est pas la peine de venir sur un direct. Au lieu de suivre le direct, de le partager, de prendre les messages importants, de mettre les cœurs sur les messages importants que les uns et les autres écrivent. Vous êtes seulement là, vous ne faites que insulter, insulter, insulter. C'est quoi le but, au fait? C'est quoi le but? Ce n'est pas ici que vous allez venir faire des règlements de compte. Oh! Est-ce que vous savez la violence que je me fais pour ne pas ancrer dans les invectives en ce moment-ci? C'est une violence qui me dépasse moi-même. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que tu ne peux pas tenir. Et je suis obligé. Je suis obligé de leur montrer que je peux tenir, que je peux tenir même plus d'un mois sans ancrer dans la jambe, sur la toile. Mais est-ce que vous savez ce que ça me vaut? Donc, au lieu d'être là à te quereller avec je ne sais pas qui, de te quereller avec qui, mobilise ma quota. Mets les messages et tout, c'est de ça qu'il est question. Fais en sorte, tu dis que Sandy est bipolaire, on a besoin de sa bipolarité le 3 juillet. Hein? Ceux qui sont, on dit qu'il y a la tenance canapé, on a besoin de la tenance canapé le 3 juillet. Moi, je ne veux plus savoir qui couche avec qui est bipolaire, qui est tripolaire, qui est ceci, ça ne m'intéresse plus. À l'heure où je suis là, je ne veux pas savoir la situation géologique ou bien quoi, ce qui a fait. Je veux seulement qu'on se retrouve à Paris le 3 juillet, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est une façon de montrer à Biya que nous ne l'aimons pas, nous l'avons vomi et nous continuerons à le vomir. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez que je suis là pourquoi? Parce qu'il faut qu'il voie encore que cette même diaspora qui s'est rassemblée, où c'était le 18 mai, qui s'est rassemblée en février dernier, que nous ne l'aimons pas. Oh, nous ne l'aimons pas. Oui. Et ce bras de fer, nous devons toujours le continuer à le maintenir et à le maintenir et à le maintenir jusqu'au bout. Sinon, pourquoi devrais-je être en train de mobiliser? Parce que je suis en train de mobiliser pour le MSC. Je mobilise pour le Cameroun, je ne suis pas MSiste, je suis sympathisante. Je mobilise pour le Cameroun. Je veux que Biya ait honte. Qu'il comprenne que le nouvel ambassadeur qu'il a mis là, qui est prévu qu'il va venir rassembler la diaspora, il va venir nous manipuler, qu'il ne peut pas. Qu'il comprenne que quand il s'agit de Cameroun, tout le monde, tous les enfants du Cameroun qui veulent le changement sont alignés au même endroit. C'est de ça qu'il est question. Les tricots en jean. C'est comme ça qu'on a toujours dit. Deux directs, tricot en jean. Trois directs, alternance canapé. Quatre directs, tricot en jean. Chacun a voulu savoir qui était le tricot en jean. Chacun a voulu savoir qui couche avec qui. Chacun a voulu. Et c'est comme ça que... Je bois que la grande Guinness. On va aller boire ça au Nganda. Le 3 juillet. Oui. On a dit qu'on partait là-bas pour vous faire les photos, pour vous embrasser, pour vous. Il y a les gens avec qui ils ont renouvelé de nouvelles photos.
Je dois faire ma photo avec Serge Gislain, je ne le connais pas, il faut qu'on fasse une photo. Il faut que je fasse la photo avec Nimbissier, il faut que je fasse la photo avec Balonzita, si elle est là. Il faut que j'ai déjà dit que je dois faire la photo. Je n'ai même pas encore fait la photo avec Roselino. Pourtant, ça fait longtemps qu'on se côtoie, on se voit, on n'a pas de photo ensemble. Il faut que je change encore la photo que j'ai fait avec Sandy. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait la photo avec Sandy, Massa. Ma jeune, elle était que comme ça. On a tapé la pause. Maintenant, on va se mettre que main, les épaules sur l'épaule, on va se taper encore la pause. Il faut. C'est des moments, même si on part pour dénoncer la cause Cameroun, on est quand même fier de se retrouver comme ça, de voir les gens, comment vont les enfants, comment va le mari, comment va la femme, comment va la soeur, comment. C'est important. Et ça fait partie de notre combat. Oui. Ça fait partie de notre combat. Vous êtes là peut-être, vous voyez peut-être que quand il est très lent, que l'on est là, que oh, c'est les danseurs de coupé décalé, oh, c'est ceci. Si c'est un véritable combattant qui est là pour le changement au 237, le 3 juillet, il sera là. Qu'est-ce qui te prouve que c'est lui qui est là? Pourtant, il a écrit là que, oh, vous dansez le coupé décalé, oh, c'est la tenance canapé. Mais peut-être qu'il sera là le 3 juillet. Qu'est-ce qui va te prouver qu'il n'était pas là? Hein? Il peut même être à côté de toi, tu ne sais pas que c'est lui qui est là. Donc, arrêtons. Notre objectif, moi, mon objectif d'être à Paris le 3 juillet, ça va pour montrer à Biya qu'il continue, malgré qu'il est caché, je ne sais où, qu'il continue à me taper sur le système nerveux. Et qu'il faut qu'on continue à pousser. C'est cette même diaspora qui l'a vomi. Cette même diaspora. C'est cette même diaspora qui a confisqué son passeport. Et cette même diaspora qui l'a mis en exil dans son propre pays. Parce qu'avant, il gouvernait étant assis en Suisse. Donc, mine de rien, c'est quand même une diaspora qui a de quoi faire. C'est quand même une diaspora qui sait taper la main sur la table quand il le faut. C'est une diaspora qui sait se mettre devant, en avant, quand il le faut. C'est cette même diaspora qui a confisqué le passeport de Biya. Le passeport de Biya est chez moi, c'est chez Sandy, c'est chez Calibri, c'est chez Kamoua, c'est partout. C'est chez chaque combattant qui s'est levé pour aller le chasser. C'est chez Christian Joko qui est parti de l'Allemagne. C'est chez Ndjif Tumeli qui est parti de l'Allemagne pour venir. C'est ce combattant Kenta qui est parti de l'Angleterre. Le passeport de Biya est partout. Il n'est pas dans la main d'un seul combattant. C'est chez Salomon. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui étaient sur le terrain pour le chasser quand on était en Suisse. C'est chez Mao, c'est chez... ainsi de suite. Pourquoi ne revient pas aujourd'hui? Parce que nous étions nombreux à le chasser. Vous voulez aujourd'hui nous faire comprendre que ce qu'on a eu à faire, on ne peut plus le refaire parce que oh, mon passeport, Angela, mon passeport est chez Biya. Et je peux te rassurer que ça ne me dérange pas du tout. Quand tu vois la qualité de l'eau qui sort du robinet, quand tu vois les conditions de vie, il peut même garder mon passeport à vie. Je lui offre même le mien, qu'il le garde. Oui. Il a fait que ça fait combien de temps il n'a pas pris l'avion. Est-ce que je prenais l'avion comme lui? Est-ce que je mangeais le caviar? Est-ce que lui, on avait le même? Qui garde mon passeport même à vie? Il y a quoi là-bas? Là, c'est la pauvreté là que tu me dis que... C'est la pauvreté là que tu me dis que mon passeport, il a construit mon passeport. Dis-lui que je lui fais cadeau de mon passeport. Mais pour lui, qu'il vienne nous voir, c'est pourquoi il ne vient pas. C'est chez ma tante Ajo, comme tu dis, Simo. Exactement. Le passeport de Biya est chez chaque combattant. Il n'est pas dans les mains de personne. Il est chez la tontinade Marcel. Oui. Il est chez Serge Gislain. Il est chez chaque Camerounais qui se lève pour dire « Reste gouverné au pays ». Ta place est dans ton pays. Ce n'est pas dans le salon, comme disent certains, dans les salons feutrés de l'intercontinental qu'on gouverne. Il peut garder mon passeport comme il veut. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui me donne envie. Tu as vu la couleur de l'eau qui sort dans vos robinets? Tu as vu? Même l'eau des WC ici est claire et limpide. On peut boire l'eau du WC, mais l'eau du robinet, dans un pays normal, tous les riches, les forages chez eux et tous les pauvres boivent la merde. Je suis désolé quand il est très. Mon direct n'est en aucun cas pour encenser Kamoua. Kamoua, il me connaît. Il sait très bien que je tire sur lui de tout le temps d'ailleurs. Il le sait. Et il est toujours le premier à me dire que j'étais fait quoi. Je ne dis pas de l'encenser. Je dis quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas de l'encensement.
Je n'en sens pas. Il sait très bien que j'ai toujours critiqué les tricots bleus. Je l'ai toujours critiqué. Il le sait. Mais est-ce une raison pour ne pas, aujourd'hui, si j'ai besoin de lui dire que quand moi j'ai besoin de toi, le 3 chez à Paris? Hein? Donc, comme je l'ai toujours critiqué, je n'ai pas le droit de lui dire que quand moi, rendez-vous le 3 chez à Paris, moi j'ai ce droit. Moi, la chose du quoi, j'ai ce droit parce que je dis, je ne réponds que de moi-même sur la toile. Je ne reçois pas d'ordre, je ne reçois pas d'injonction. Je ne reçois rien de personne. J'ai vraiment Caroline. Est-ce qu'elle dit que j'ai que mon passeport est à Bia? Qui garde, dis à Bia, qui garde mon passeport? Qui le garde à Vita Eternam? Qui le garde? Tu as vu l'eau qui sort du robinet d'un pays? Quand tu montes ici, tu tires la chatte, tu vas la couleur de l'eau, non? Et que ton passeport, entre lui et moi qui a le regret. Son beau pays, la Suisse, qui a le regret. Je pense que lui, il a plus de regrets que moi. Et c'est dans cette diaspora, ces combattants, c'est nous qui avons fait ce travail. Vous n'allez pas aujourd'hui me faire comprendre à moi, femme de terrain, combattant de terrain, que le terrain n'a plus sa place. Que le terrain est 237, je vous dis non. Je vous dis que le terrain a toujours et aura toujours une place de taille dans le combat. Oui, oui. Oui. Critiquez qui vous voulez. Insultez qui vous voulez. Insultez moi-même. Vous n'avez pas ma photo avec Port de l'Ouest sur ma page. Et on dit que Bladia dit quoi? Tu as le cœur. Il dit que j'ai le cœur qu'il a fait quoi? Parce qu'il m'a dépassé, elle le fait à repasser. Parce qu'elle a mis toutes mes photos sur la toile. Parce qu'elle a dit que j'ai acheté 5 voitures. Parce que. On m'a encore dit qu'il était en train de faire mon direct pour toujours. Hier, il faisait encore mon direct. Pour dire que. Et bien, elle a dit qu'elle va tuer ma mère. Oui, je suis au courant. Je ne peux pas compter le nombre de combattants qui m'ont déjà appelé pour me dire qu'elle va dire qu'elle va tuer ma mère. Je suis au courant. Je vous ai dit, on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Je ne peux pas. Depuis 3 ans. Être en train de me battre pour quelque chose et un moment on dit retrouve village du quad retrouvons-nous quelque part pour manifester ensemble notre indignation. Je dis que non, je n'y vais pas parce que la tête de Y ne me plaît pas, parce que la tête de Z ne me plaît pas. Je vais y aller et je vais, quand je vois Y, je tourne ma tête, quand je vois Z, je regarde comme ça, quand je vois W, je regarde à gauche. Je suis pas obligé de les regarder. Mais qu'est-ce qu'on va faire, toi, Tontina Marcel? Le mélange d'activistes et politiciens, c'est un mélange qui était très toxique, qui était dur. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vit les conséquences de ça. Mais il faut qu'on s'y adapte, parce que c'est un fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont devenus des politiciens. On est obligé de s'adapter à ça. Et on sait au jour d'aujourd'hui que quand il est très... Au revoir, mon fils, à très bientôt, tu dis que tu pars, toi, d'ici. Tu pars, tu es là pour moi, bien tu es là pour quand moi. Tu es là pour moi, non. Donc tu souffres, tu restes, tu m'écoutes. Ta présence est importante. Pourquoi tu vas partir? Tu vas partir pourquoi? Merci. Donc c'est pour dire que aujourd'hui on a ce mélange. On ne s'y attendait pas, Tontina de Masson. On ne s'attendait pas à ce mélange de activistes à politiciens. On ne s'y attendait pas. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Je te dis que c'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi ces gens chantent que... pourquoi ces gens chantent que la tenance, c'est comme tout. Ces activistes, n'est-ce pas, ces gens, ces activistes qui étaient avec nous avant, chantent et pourquoi ils ont changé de discours. C'est aujourd'hui que ça m'a percuté parce que j'étais vraiment dans une idéologie de que ce sont les gens qui chantent qui me tapaient sur le système nerveux. Et je ne comprenais pas le pourquoi. Je ne comprenais pas, mais tant. Comment quelqu'un avec qui j'étais sur le terrain, qui est quand même quelqu'un d'assez... Moi, j'ai vu comme moi, au Meurice. Mais c'est un attaquant de pointe. Mais comment aujourd'hui il dit que non, maintenant ça va être l'arbre de paix qui va aller combattre. Donc c'est ça, j'étais que dans cette phase-là. Je n'ai pas compris que non. C'est l'activiste aujourd'hui qui a changé, qui est devenu plutôt politicien, donc maintenant qui a adapté son discours au discours du parti politique qui ressemble, auquel il appartient. Et il faut qu'on s'y fasse. Il faut qu'on accepte cela. Et il faut qu'on réorganise notre combat par rapport à ça.
Et il faut qu'on sache qu'il y a beaucoup d'activistes aujourd'hui qui ne vont plus, anciens activistes aujourd'hui qui ne peuvent plus être aussi virulents et aussi percutants comme nous. Oui, parce qu'ils vont se priver d'insulter, ils vont se priver d'aller peut-être poursuivre le fils d'un ambassadeur, ils vont se priver d'aller peut-être faire telle ou telle chose. Il faut qu'on s'adapte, il faut maintenant qu'on s'adapte à cela et qu'on comprenne que eux et nous, on n'a plus les mêmes priorités. En fait, on n'a plus la même vision, la même vision du combat, pas que la même priorité, la même vision, parce que la priorité reste le changement de 237. Mais on n'a plus la même vision du combat. On ne peut plus combattre avec les mêmes mots. On ne peut plus combattre avec les mêmes armes. Il faut qu'on se réadapte à cela. On ne va pas laisser notre combat se gâter parce que c'est aujourd'hui... parce que c'était aujourd'hui, on décidait que pour eux, ils ont un discours de politicien et que nous, on continue à avoir un discours d'activiste. Non. Tout au contraire. Nous qui sommes restés des activistes, on doit resserrer les rangs, être encore plus déterminés, être encore plus poignants, être encore plus percutants. Voilà. Et c'est quand on se retrouve sur le terrain, quand on dit grande mobilisation, est-ce que le 18 mai à Paris, pardon, est-ce qu'il n'y avait que les activistes sur le terrain? Il y avait plein d'MRCistes. Je me rappelle encore à l'époque, Hervé, qui est du MRC. Mais il y avait plein d'MRCistes. Et ça n'enlevait en rien leur hargne. Sauf que ceux-là ne font pas de direct. Donc, ils ont n'embrouillent pas en fait, l'esprit des uns et des autres. Ceux-là ne font pas de direct, mais il y avait plein d'MRCistes. Il y avait plein d'MSIS à Genève. On doit s'adapter à cela, Fouti. On devrait pouvoir s'adapter à cela. Il suffit juste de comprendre aujourd'hui que nos priorités ne sont aujourd'hui que nos discours, notre communication ne peut plus être la même. Il suffit qu'on comprenne ça. On va s'adapter à cela. Je pense que c'est important qu'on s'adapte à cela et qu'on comprenne qu'on ne peut plus dire les mêmes choses, eux et nous. Voilà. Donc... je vous remercie infiniment. Je remercie tous ceux qui ont partagé. Victorine, tous, Nadège, Colette, vous tous, je vous remercie infiniment. Serge, Sandy, la tontinade Marcel, et vous tous, j'aurais vraiment un immense plaisir à vous retrouver. Camo la Panthère, Cancri les traits, ainsi Cynthia. Rendez-vous le 3 juillet. En attendant, la mobilisation continue. En attendant, rangeons nos égos dans les placards, s'il vous plaît. Mobilisons, parce que c'est nous qui aurons honte. Ce n'est pas Kamwa qui aura honte. Ce n'est pas Calibri qui aura honte. Ce n'est pas Villageois du Quai qui aura honte. C'est nous tous. C'est toute la diaspora. Regardez. Ils disent qu'ils sont... Ils disent qu'ils veulent changer quelque chose au Cameroun. Ils ne peuvent même pas se retrouver trois quelque part. C'est nous tous qui aurons honte. Voilà. C'est nous tous, pas une seule personne. C'est le général Wantou qui aura honte. C'est Salomé. C'est Ballon Zita qui aura honte. C'est nous tous. Oui, merci Roselino. Parce qu'ils diront, regardez, ils disaient qu'ils sont mobilisés là-bas en diaspora. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4. Ils disaient qu'ils vont chasser Biya. Mais ils peuvent même voir ça. Ils peuvent même se décider à revenir. On doit leur prouver que malgré nos divergences d'opinion, on reste unis, forts pour la cause du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie infiniment. Je remercie tous ceux qui ont vraiment pris de leur temps pour suivre ces 2 heures de direct avec moi, m'accompagner, partager. Je vous remercie infiniment. Et je vais continuer avec ma mobilisation. Je ne m'arrête pas. Il y a Rosalie Nou qui dit qu'il sera en direct tout à l'heure sur la page L'Alternance, c'est comme tôt. Voilà, et je voulais aussi profiter. Je vais que rassembler ma tontinade Marcel. Il en va de notre honneur de combattant. Il en va de notre honneur d'activiste, il en va de tout. On doit rassembler. C'est important. C'est important. On fera le casting quand on aura gagné cette guerre. C'est là qu'on fera le casting. Pour l'instant, on ne peut pas faire de casting. Ne suivez pas les discours des destructeurs, la tontinade Marcel. Ne suivez pas ces discours. Ayez votre propre discours. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci à tous.